Merci, 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 merci. Lac-Sacominges. Bon, après le petit voyage que nous venons de faire à travers la vie de notre ami Bob Deschamps, je vous invite maintenant à le rejoindre et à le fêter à travers ses amours. Mais cela en tout bien, tout honneur. Et si vous voyez, monsieur Léon Gilin... Monsieur Léon Gilin, il n'est pas ventriloque, ainsi que vous pourriez le croire. Monsieur Léon Gilin, c'est le directeur artistique du Cercle Wallon de Charleroi. Et vous le voyez armé d'un solide brigadier. Pourquoi ? C'est parce que dans la vie de Bob Deschamps, le théâtre tient une place importante. Et nous n'aurons plus ce soir à lui faire de surprise. C'est lui qui, au contraire, nous en a réservé une. Avec ses amis du Cercle Wallon, avec aussi les plus jeunes artistes de Belgique qui nous ont été obligeamment prêtés par la maternité Reine Astrid. Vous venez de les entendre. Bob Deschamps interprète maintenant un sketch d'Émile André Robert, Les Quintuplets d'El Dochery. Rideau. Saki. Voilà. Ah, bonjour Prosper. Pourquoi monsieur me donne les fraises, monsieur Prosper? Comment est-ce que c'est que vous que je suis mal désolé à un paquet pareil? Je ne dis rien, mais Joseph, mais vos compères débit qui c'est le nid parce que vous avez six qui font qu'il faut que je cours à plus de secondes. Il m'a totalement bé une paire de chambons pour mettre en retard. Et yo, j'ai dit une paire de chambons, mais j'ai une famille d'aller au mariage de me lever à vous des chambons. Qu'est-ce que se marie? Bien, dis-moi, ça. Eh bien, ça se t'entendait au jour de l'ONU. Je vais me bouter quand il paquet sera dans le mur, je ne voudrais pas participer. De moi, ma tante, en rentrant solé. Merci, Joseph, merci d'achat, surtout qui pour vous. Ce n'est ni le moment du pied de protégeur. Oh, Godoy, qui m'a dit bonjour, Eva. Je vous en avais excusé, nous avons. Bonjour, Prosper. Joseph. Tati. Suivant. Oh, il me noche. Bon, femme, Rossetti. Elle n'a pas pu le temps de se les caracoses. Bon, de nourrir qui y a au cou à ce. Pas vous rire que de nourrir tous les cinq en même temps? Non, ben, deux ans, vous vous avez plus là. Non, Yaoko, chacun le tour, on va calculer l'affaire, c'est comme ça qu'on va faire. Et comment est-ce qu'il va faire pour mener vos brouilles là-bas? Comment mener nos brouilles? Mais oui, pour mener nourrir deux gourmands. Mais, ça est un numéro de tête, ça va. Et puis, non, mettons un ruban bleu au cigare fini, et il y a le tété d'après, un rouge. Oh, c'est original, c'est ça. Eh, ben, quand on est né fort, faut y se maler, mais faut se débrouiller ou un paquet pareil. Ah, ça, mais. J'y suis sûr que vous devriez se bigoter. Oh, si on est compte. Et il est fier. Comment donc? Comme si nous avions gagné les 5 millions, Joseph. Notre bien que tous les vieux sont contents pour vous autres. Ah, ça, 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 bien. Encore que je sors sur le pavé et que moi, il y a une telle double à le Ils m'ont dit qu'ils viraient vos vires tertes. Oh, ils sont bien gentils, Prosper, mais nous refusons déjà des gens, ça veut. Et est-ce qu'on peut bien les huiti? Oui, hein. Jusqu'à ce que on ne paye pas une pour ça. Ça va bien que ça ne serait pas une ça. On donnerait déjà 6 francs. Oui. Et un supplément de 10 francs pour les vires têtes. Bien sûr. Les gars sont jolis, hein. Sont jolis, hein. Sont jolis, hein. Ils m'ont félicité, ça va. Merci, ils m'ont félicité. Et j'ai compte sur vous pour demain matin. Vous allez ça demain matin, quand je me vois dans la matinée. Vous serez gêné. J'ai connais le voile. Pas pour lui, là, nous y vont. Ah, vous, Prosper. Et voyez-nous des clients, non? Côté sur moi. C'est ça. Allez, là, mais, il va te dire comment est-ce qu'il va te vider pour faire une besoin. Tu as toujours moi
trempir de sourire en tâtres. Un de vos pleins d'énés, va, Joseph. Notre vous est si heureux, paraît-il. Joute la cognac. Oh, il est temps. Mais faut alors, le chauffeur au moins le 15e au jour. C'est tout le même moment qui vient de pratiquer mon frère. Je me présente à vous, Miss Elsie Schmidt, spéciale envoyée du New York Herald Tribune. Je viens de l'Amérique tout exprès pour vous, madame. Ah, ben, vous êtes bien gentille, une fille. Suivant. Ah, pardon. Suivant. Vous êtes venu d'être long pour mener grand-chose tout le même, ça. Vraiment pas grand-chose. Mais comment vous dites? Mais que c'est formidable! Et vous nourrissez vous-même? Oh, vous permettez que je photographie pour mes lecteurs? Sensationnel! Avec le pape, formidable! Oh, formidable! Et pourquoi vous nourrissez vous-même? Et parce qu'ils ont laissé tourner assez riche pour acheter une vache. Yes! Yes! Et combien sont vieux les bébés? Je veux dire, quel âge? Eh bien, ils auront 3 semaines demain. 3 semaines? C'est magnifique, magnifique! Comment ils se nomment, ces petits poupons? Ah, tout dit. Athos. Athos. Porthos. Porthos. Aramis. Aramis. D'Artagnan. D'Artagnan. Et toi, d'ici, j'en ai dit. Ah, et Adéma. Adéma? Pourquoi Adéma? Parce qu'ils n'en avons pu retrouver d'autres. Ils vont penser, oh. Vous avez dit que c'est facile de trouver ces noix, c'est tout d'accord. Hein? Yes. Et combien ils sont pesants? Ah, 1,250 kg. Lequel? Il y en a l'autre. Oh, c'était pas très gros, hein? Non, eh bien, j'ai un tank vol du jeudi. Yes. Please, le nom du père. Joseph-Édouard Edmond-Émile Félicien Bergeon Delisle Doubleu. Simplement? Yeah, oui, yes. Et le nom de la maman? Eva Ball. Et la suite? Au prochain numéro. Et maintenant, la profession du père? Cordonnier. Yes, fabricant de cordons. Non, hein. Cordonnier, sabonnier. Oh, ça c'est inutile de l'expliquer, ça va être Joseph. Des gazettes en Amérique. Elle mettra quand même qu'il va rester fabricant de chum-gum. Et la maman, la profession? Fabricante des poupons. Yes, fabricante de poupons. Hein? Dites-moi, madame, dans votre famille, combien il y avait d'enfants? Moi, enfant unique. Oh, very curious. Et vous, monsieur, votre père, il avait combien de babies? Ah, mon papa, il n'a pas eu d'enfant. Comment? Il n'a pas eu, mais je suis l'enfant de Virginie. Oh, yes, thank you very much, thank you. Je vais demander à mes lecteurs de New York Herald Tribune de faire à vous un cadeau magnifique. Yes. Voulez-vous? Une belle grande voiture, hein? Et c'est-à-dire qui nous aimerait mieux 5 petites. Wow. C'est, oh yes, pour le baby, oui, certainement. Certainement, je crois. J'ai rien oublié. Oh non, fille, Oh yes! Mais yes, j'avais oublié, c'était formidable. Voyons, pour avoir ces 5 enfants, comment vous avez fait? Layez mon adresse à Joseph et il dira votre explication. De drame. Oh, formidable! Je ferai venir la télévision! Goodbye! 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 Oh, goodbye. Oui. Thank you. Oh, Emma. Oh, bonjour, ma tante Emma. Comment t'avais fait une
dirai le vrai, hein, ma tante. Nom des savons, vrai. Suivante. Ah, pardon, ma tante. Alors, il y a pas les nous, Richard. Mais, hé, on va les voir une fois. Oh, j'en ai faim. Bien, petit. Ça, c'était ça qu'on me dit, on avait dû décevoir des cadeaux. Mais là, tout. Jusqu'à ce que nous avons eu 267 bavrettes et 245 paires de chaussons. Ah, mais tu n'y peux pas assez. Et c'est pour ça que Mien Dodgen vous a réapporté. Tu m'as dit que vous aurez une masse d'affaires de trop. Oh, mais vous avez bien fait, ma tante. Il fallait une fille de frais pour nous avoir. Ce n'est pour ça, mais... Oui, ça passe quoi? Mes poussins. Vous ne vous rendez compte de ce qui s'accuse. Mais non, nous autres. On ne se rendait compte, nous autres. Ah, oui, bien sûr, ils sont au fond petits, là. Mais ils grandiront peut-être comme les autres, ça veut. Voyez. Oh, bien sûr, vous aurez grand, mais plus de ruche pour l'escaper. Oh, ça... mais vous êtes consolante. Ah, oh, ben, je suis bien contente d'y être venue. Mais... Ça m'a coûté 12 francs, 30, ça veut. Mais tu l'as gratte, là. Elle voulait qu'on vous les rembourse, maintenant. Oui, voulez... Oh, louez-vous. Mais ça fait bien ça, quoi. Non. Vos cousines Léa l'a raté un peu d'un deux moins d'or. Aïe. Eh bien, si vous avez deux, trois affaires de trône, vous t'en lui donnez que de la foutre pas, il y a quoi? Ma tante, il est dans de votre âme qui descaille, il doit être pour monter. Ah, oui, mais tu avais l'idée d'apprendre ici d'après chez je. Mais, oui, mais l'embêtant, c'est pour ciner, ouais, c'est pour ciner, non? Mais je peux penser que tu perds un petit bouquet avec vous autres. Non! Non, attends, non, attends, attends, ça donne. Non, 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 Comment est-ce qu'ils vont les trouver? Ils sont bien, hein? Mais s'il y a à votre place, je cercle wallon de Charleroi, un cercle qui vient souvent chez vous grâce au petit écran. Le cercle wallon de Charleroi a été fondé en... En 1896. Ce qui vous dit que quand on l'a baptisé, tu n'es tenu par un altiandel. Oh non, tu n'es tenu par un, bien sûr. Je sais qu'on a les choses du curé. Mais depuis, je n'ai fait que déchirer le voile, tracé par tous les anciens. Et d'ailleurs, Bramin, et avec les plus connus, les qu'est-ce qui t'ont dû avaler? Oh, le sien que mon grand-mère a pris. Lucien Delatte. Oui. Oscar Sabot. Paul Garonnier. Sidonie Béjo. Robert Delabé. Tous ceux qui, à ce sont
au paradis des comédiens wallons, c'est là. Eh oui. Et d'un côté, autres, voyez, il y a ceux qui sont là. Il y a des ceux qui sont là. Qui nous soutenu. Alfred Léonard, Auguste Schmitt, Raymond Cornil, oui. Les Derix, les Lenoir. Et les autres. Et il y a les autres qui sont là. Et Émile de Bleu-Mortier. Émile. C'est un comédien, mais c'est aussi un chanteur, Émile. Hein? Et un grand chanteur. L'inoubliable, l'inénarrable, l'impayable créature de la chanson, les croque-mous. Ah, oui, oui. Il n'y a personne qui interprète les croque-mous comme Émile de Bleu-Mortier. Pour le plaisir de tout le monde et ton plaisir particulier, Émile de Bleu-Mortier chante les croque-mous. Faut chanter les croque-moules, faut y être deux. C'est pour ça que j'ai fait une inséparable gosto mon seul. Dites-vous les employés communaux, nos stobiles c'est qui ont le pulmon, nos pouvons, mais franchement, nos déplates, ça craque. Nous manquons jamais un intermède. Tout dit, à vous, nos bien galerais. Elle n'aurait d'un goût garni d'un filet d'argent. Mais dans ce qui n'aura le plus malheureux, c'est que vous travaillez, nous n'estons qu'à deux. Quand nous attrapons là un point de 5 kilos sur nos dents, nos fioles gros. Accompagnons le corbillard, l'air soyant, nous avons tout dit, l'air débauchés, mouillés, ratassés, afflachés. Seul costait du corbillard, l'air soyant, l'air soyant. Nous repoussons tout dit, nos chers dit dans nos pôles. Non respondonné, même quand il n'y a rien que nos pas. Les croque-mots, fais-nous le mot. Dans les brillettes, dans toutes les sautes, et chacun est libre de brire à ce mot. Nos oreilles sont si habituées d'oublier. Il faut ni l'autre, il faut ni cacher. Nos savoirs connaissent ses forcés. Elle sait qui brille plus fort, on sait tout dit bêtis. Le décart de taille, c'est un bien garçon. Quelqu'un dit belle, mais ce qu'on sait pour du beau. Au bête des pauvres neveux qui s'est volé, irrité, assez belle, débile. Accompagnons le corbillard, l'air soyant, l'air soyant. Nous avons tout dit, l'air d'esprit. Zimouillé, ratassé, afflaché. Seul costait du corbillard, le soyant, le soyant. Nos poussons tout dit, nos chers dit dans nos paroles. Non respondonné, même quand il n'y a rien que nos pas. Les croque-mots, fin de mort.
Le corbillard est allé. Et après le terme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ferait? On va boire un coude. Oui, mais attention, attends. Après, on dirait que nous sommes des vicieux. Ouais. On va se contenter d'une petite tasse de café. Non. Une jatte de café. Une tasse de café. Oui, ça, bien sûr. C'est au vous, hein, bien sûr. Oui, on dit une tasse de café. Et non, René Godot. C'est cela, bien sûr, c'est une tasse de café. Ah non, mes autres vos assurent, j'y fais souvent plus de 8 heures pour plaire à une petite Rosette. À coucou de l'île Viblo, elle s'en dédicace, elle beau pour remplir les cartinettes. Hier, pas de soupe Tigoni, comme dit Clatche Saint-Lachie, à le voler des coups d'achette. La qu'elle me fait mal m'écrit, après-midi, celui que j'ai de riz, en me faisant ce plus belle risette. Venez boire une petite tasse de café, voilà bébé vérité. Venez boire une petite tasse. En rouettant une tasse de café, elle podlait, elle sucriait, elle est biscuit dans le corbeil. Jimmy rappelait tout d'un coup qu'il m'en veut trouver un jour dans une situation pareille. Si un bio d'immense d'esté, ayez déjà vers un moine, une petite rose d'El Ducasse. Toute sans façon, et ce moment m'avait dit, je suis le devant, en se faisant une miette bonasse. Venez boire une petite tasse de café, vous l'avez bien mérité. Venez boire une petite tasse. Oh, d'une mini fait pris, j'avais bien trop peu de la chie, aime jolie petite commère. Un très saint savoué commun, dit là comme un innocent, presse à rire et presse à brire. En shootant le boulouère chanté, dit saint un cœur clicoté, et dit me ressent rédire. Mais rose a venu tout doucement, Matisse moins d'un, mais deux moins, en me disant d'un sourire. On venait boire une petite tasse de café, on l'avait bien mérité. Venez boire une petite tasse. D'une petite tasse de café, il y a bien d'elle malisté, à prester pas les coumères. Mais Diesti est tourpiné, c'est rare qui Diesti marié, à l'tachelette sa pince en paix. Il est vrai qu'au fond d'un cœur, il n'y a repos eu de bonheur, s'il n'y avait ni une rosette. Mais tout de même, là, les garçons, réfléchissez à m'chanson, si t'il coup, on vous répète. Venez boire une petite tasse de café, vous l'avez bien mérité. Léchez là, une petite tasse. René Godot, un véritable gourmet. Tout à l'heure, elle tâte à sucre, à cette heure, elle tasse du café. Et il me semble que ça chaîne comme mieux quand c'est dit en wallon. Ah oui, mais si. Ça, ça prend à l'école, ça, le wallon. Ah, de me tâte ou de me dire après ça à l'école, à la récréation. Et à cette heure, comment fait-on? Ceux qui vont prendre le wallon à cette heure, il doit lire tous les ouvrages d'escrit au wallon. Et il attend que ça? Il a vraiment un peu qu'on pense en librairie. Il y a des romans, il y a des recueils, et il y a des revues. Nous autres, à Charleroi, nous avons le bourdon. Comment, t'as le bourdon? Oui, il va là. Ah bon? Le bourdon de Charleroi est quoi d'ailleurs? Bulletin officiel de l'Association littéraire de Charleroi, éditeur responsable Félicien Barry, dit le Miss Bourdon. Oui. Mais ça, c'est bien, ça. C'est mais bien. Je me rappelle un jour, à Welly, là-dedans, sa convert qui m'avait laissé une impression vraiment formidable. Non, d'abord, ça n'en était pas gay, mais ça ne voulait dire que ça ne pouvait pas me plaire, ça. Ça s'appelait
Nouer Tcheret, et ça c'était signé Benjenou. Ben, c'est bien sûr. Ça te ferait plaisir d'ajouter? Ah, bien sûr, ça me fait vraiment de plaisir. T'as déjà eu un tour de sens tout à l'heure. T'as déjà eu le corbillard d'Aimil de Bleu Mortier. Un nuir tiret, ça n'en fait n'herculer. On va te dire ça tout de suite, tout chaud. C'est Régine Dorsé qui va s'en charger. Ah! Quand le noir tiret sera pouvenu m'quer, à vous grotte vous de sens, pas d'où c'est noir et ferloc. Quand le noir tchérette sera pouvenu m'quer, mier nu, t'aimes faillé bois sa chimastoc. J'y pense qu'il n'y aura bien ouïr pour m'chure et pour brir. J'arrive trop skeu de faux pilate. J'arrive trop de camarades à deux visages, tout une casaque à bon marchi, mourgagneux, bain d'afflachi, sans fierté, sans courage. Quand le noir tchérette sera pas devant luche, il n'y aura plus pont de belles paroles qui fuchent. J'y serais stindu, t'es aussi pauvre qui tout dit d'un pauvre bois d'ouvrier. Elle est cinq au jour de ce foutre ennemi. Ce jour-là, rire en côte pu. Les cinq qui reviendrit le mam pour une belle parole. Les raconteux de babuse, les petits chéris à l'eau d'Adam. Conscience à crolle, moulon à queue, viermain de cambuse. Les cinq qui se gonflent le nu comme des guernouilles. J'y ne serais plus là pour lui froyer le mouson dans le berdouille. Quand le noir tchérette sera pas devant le mojo, à vous se m'en écocher, pressé de s'éraler, il n'y aura peut-être d'un ocula, nos pauvres tchats, tout match, tout prou, entre l'épidime tchéière, tout perdu, tout prou, d'un puissant ou assistant, sumez nous. Quand le faillibois sera dans le cimetière, il plourra, pour le nekanji, et elle fosti, précède d'avoir fini, pestellera d'un larzi. Il y aura une base d'œil au fond d'Emtro, et y a une guernouille, pleine de berdouille, qui berdèchera tout pas de taveau. Quand le noir tchérette, à vous chevaux, repassera pas devant nos mojos, à vous se mander cocher, à le dadaï, pour qu'il servaille d'un nez, sur le tchéière, à vous notre chat, tout prou, suivez-nous. Vos récolas, peut-être, ajouter, repasser le tchérette. T'aime pauvre terre, paugère, j'y penserai à vous. Et maugré tout, tu ne crois jamais qu'il te voir oublierai. Noir Tchérette est un poème de Ben Genot. Bravo Ben. Il y a intérêt, voyez-vous, à lire le Bourdon de Charleroi, parce que dans le Bourdon, vous trouvez des auteurs wallons, et leur président n'est autre qu'un de ces fiers wallons, dont on est heureux qu'il soit wallon, c'est Émile Lempereur. Bravo Émile. Est très heureuse de pouvoir vous souhaiter ceci en vous offrant de la part de la RTB. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup, je suis vraiment ravi. Ben. Comme Noël Tcheret, c'est signé Ben Dionneau. Ça souhait, ça saigne. Bob, vous êtes tout content puisque vous venez de dire je suis ravi. Ça vous dit ça ou alors? Oui, je pense. Eh bien, chou, t'es signé un deuxième bien mouchon à côté de mes rucs d'éther. C'est parce qu'il ben genoux que c'est un homme d'inné. Il en est venu au monde en nez, ça vous met le d'inné. Avec oui. Un cure comme ça, vos filles vous donnent une raouette à l'bistoc. Oui. Ça, c'est Bob Astur. Non, il y a 10 gens. Oui. Et ça, c'est Bob Astur. Oui, ben a rebé venu, il est foire faillé, il ne pouvait quitter ce casino. Je le remplace, mais primé, padri, c'est deux madames. Il y a tous les auteurs, wallons détournés, à Malmédé. Qui va ouéneux foire volti et qui va dire je nous acheter un grand dans mon osote. Ah, merci, Emile. Merci, Emile. Merci. Merci.
S'il est vrai que l'émotion tarit l'éloquence, je ne sais plus dire que merci du fond du cœur. Merci à la RTB, merci à ces dames, merci à Émile, merci à Robert, merci à vous tous qui êtes là pour moi. Merci. Et c'est en lisant le Bourdon qu'on apprend le wallon. Et les enfants qui ont eu le chance d'aller à l'école de les Benjenaux, qu'est-ce que c'est instituteur? Il est bien sûr et certain qu'ils parlent nous wallon d'une façon formidable. Et il y a eu comme ça des professeurs, des gens qui étaient bons dans le wallon. Mais j'ai connu un professeur de français, du wallon, et il était avocat. C'était Maître Aril Carlier. Mais il était à l'école, mais à l'université du travail. Et elle sait que dans le cours des Français, si c'est un wallon, avait un nom flamand. Oh, mais il l'avait né fait exprès. Oh oui. Henri. Henri Van Kutsem. Ah, Henri Van Kutsem. Et pour découvrir, mais ce n'est pas une découverte que vous ferez, pour faire savourer à sa juste valeur le wallon d'Henri Van Kutsem, oui. Nous donnerons la parole à deux de ces personnages fameux. Nous donnerons la parole aux canlettes. Si c'est des canlettes. N'en est dit des lieux donner le parole, elles les pèderont bailleusement. Quand on commence la scène, Torin, yon de canlette, est en train de finir de reloquer la place de devant. Tèche, est visant d'accoster, adrouf elle craille des luches et crie après elle. Nous allons fuir, c'est tout, mais on n'en arrivera plus jamais. Hein. Oh, t'es-tu, ma fille? C'est pas pire qu'elle fait exprès, qu'elle m'a avancé au jour de mai. Les tout le bazar ainsi, n'en arriverons plus, hein. Là, il y a des filles d'Elbrayot, sont déjà ses vols. Mais c'est pour quelle heure, hein? Mais c'est pour 11 heures à l'église, là. Il est moins 10. Mais déjà, Rubé, voulu mettre un soupe au feu devant main d'aller, mais. Les tout le bazar ainsi, est ditch. Nous n'avons ni pas si longtemps que ça, hein. Ah bon? Allez, respecte-toi, allez. Divochu, déjà, remettrai mes brouches et mes locks quand j'irai interdit, d'abord, hein. Dès qu'on taillonne pour Vicky, à la vie. Oh, un samedi surtout. Si elle savait comment rien m'a ardu, là. Oh. Mais un samedi. Ah, vous le savez, moi, en anglais, ça, tu sais, comme un d'avudi, hein. Là-dessus, Torine, Saint-Jean-Chevis, Nouvache, courant de main après Tèche, qui, plus impatiente, a pris le devant. Tu sais combien ma fille? Moi, il met-toi le premier coup que t'arriveras à l'heure, tu piédras un dain, c'est ça. J'aurais bien voulu mettre mes canistias dans le fourneau d'abou comme Gusrinterra. Seulement, t'as une main pétulante. Oh, mais je l'ai tout le bazar ainsi, c'est ça, ma fille. Nade-le plein le corridor, je le ramènerai quand j'irai enterrer. Tu devrais venir, hein? Ma fille, dans sa marinée tous les jours. Et si M. Dourne est content, tant pire. Tout d'un coup, les îles tournent de même côté. On éteint, arrivé les voitures, ça tire par des chevaux ou autre. Ma chère, il y a combien de voitures? Ben, ça, ben, t'as le savonné. Vlati des embarras. Ça vaut bien la peine de parler. Il n'y aura de mettre trois voitures à un cocher. D'ailleurs, mais c'est déjà regardé qu'elle s'est remariée en autre. Combien y a-t-il d'invités? Capelet, un ton Dieu, bien sûr. Hein? Allez, fille, nous allons monter quatre paroles à plus long dans les vieux. Et nos deux commères vont se mettre au premier rang. Tout juste pour vivre les gens sur toutes les voitures. Tèche, elle me rinit ici. Mais ouette, mardio, vous taille des souhaits. Qui tour des babelles. Mais tu diras un chevaux gardé à l'cavalcade. Et, mais ça, jamais l'un qu'as-tu essayé, c'est. Sans compter qu'elle a du bris, t'as ce hein? Et. Qu'est-ce qui c'est, elle m'obélire, que là, vous se fracapons et se buse à côté de l'œil. Ben, c'est le pas d'Ali, là. Deux, c'est le pas d'Ali. Ben, une pomme au dessus. Il a bien trop mouillé que ce garçon se marie, va. Ben, si fait, donc, que c'est pas. Il est veuf, il s'est marié, mais cette deuxième femme l'a quitté. T'es sûr? Quand je t'ai dit. Bon. Allez, bon, il c'est pas. Elle crie, on est si fort parce qu'on en shoot. Là-dessus, Mardio, le moment de le marier. Passe devant elle. Hé, la mardio qu'on s'est fière! Oh, tu mardio qui te belle en vue de ta frappe, qui est bien fourreau! C'est d'elle pur pire.
regarde souhait, du smart, hein, qui est belle noce. Oh. Dans tous les cas, fifi de mère et de bise, ça fait, c'est cette fille comme une diaouère, diantie, et courageuse. Oui, on est, c'est ce premier galant, hein, de Mardio. Allez, vous l'amusez, hein, fille. Comment on voit que c'est des paysans, hein? T'as jamais vu ni ma touche ainsi quand on est des noces? Pour moi, elle avait peu qu'on ne connaît l'oeigné. Oh, quoi, vous? Elle s'est encore du rival. Oh, il y a ça. Hé, wait, l'homme d'amour, jockey nous vrac. Mais s'il n'a venu le peignon de ses oreilles pour rester dans ce bus, mais on dira bien à plus de dis? Mais c'est le garçon 7000 francs. Aïe. Il a copié Crolles moustache. Dire que ce mam doit qu'au 50 francs, mon du boulindi. Et oui, tel grand m'obélir, l'ovo. À vous tenir comme un quinquette force. Oh, mais oui, comment ouais qu'il est gêné à vous se perdre que, hein. Oh, ouais, mais tu n'as l'habitude qu'une bête de bourgeron et de chabot. Hein. T'es jeté, c'est le marié. Ah. Oh, bon Dieu. Du fil, mon Dieu, pas un stagioli. Allez, bon courage, un enfant. Fiche heureuse, ça va me fuir. Oh, comme vos vlar les petits. Vous avez là un diable, petit homme. Oh, je crois qu'il sera gentil. Bonne chance. D'accord, deux, pour ça, tu en as côté. Pour le bébé d'aller dans des voitures, hein, pour se mettre dans le pénin. Hein. Ils ont bien fait d'aller dans des voitures. Ils sont plus mon foutu tertou. As vu, Mardio, à vous, Scott. Pour moi, là, ce n'est que d'elle demi-souhait. Je te donne le souhait. T'as tout lire d'elle souhait. Mais t'as du bon satin, donc. Oh. Mais d'elle, c'est bien, hein. Mais j'ai marchandis le même. Au mardi d'elle vélo, t'as lundi. Oh, yeah, ben, c'est du bien satin. Bon, ça, bien sûr, ça que c'est du satin. Est-ce que t'as remarqué, fifine? À vous ce bouquet d'oranges. Mmh, les m'soumadjises. Allez, parlons d'autre chose, parce que ça n'en est bien, hein, de dire deux mots d'adjun. Mais là-dessus. Elles ont quitté l'église et passent nues pas devant la maison du mariage. Ah. Justement, elle m'attente la lit et des seluches. Bon Dieu, la lit. Oh, vous avez la lit que là. Bon Dieu, ça veut la lit. Nous avons ce divin à noce à l'église, Maria, que c'était bien. Et n'y avait-il déjà un pouleur où est-il? Oh, il fallait un tête, les réflexions confieux. Qui m'a joie propre. Et que tous les invités sont bidjolés. Et que Fifi n'est une brave petite commère. Et qu'elle aura un bon petit homme. Et qui sait, et qui l'a. En fait, qui quitte. Tout reste bien, fille. Quatre pas plus long, elle reste conternue une cousine. Une cousine qui l'est dans les styles invités. Hey, t'en es compresse, toi? Tu n'as rien perdu, c'est... N'y avait rien, fille, rien du tout. Trois voitures des marchands de l'oc' à vos sacampouilleux dedans. Oh, y'a tertôt. Tertôt, fille, on peut m'obélir, hein. Mardio, avec une côte des satins, comme on va dedans le temps, à trois zones, point un fond. Aïe! Nos têtes viseront dans un homme, fille. Je te un homme. Ben, ils demeureront jamais à chaîne. Un faille caractère comme elle a là. Dès que tu plains le malheureux, fille. Oh, il a genre les mains à cracher, allez. Hop! C'est l'heure de se quitter. Les hommes vont rentrer de besogne et il faut adonner. Oh, Gus, ça me fait. Un pauvre petit boulhomme. Elle fait une attention s'il n'y a pas de soupe au jour de ça, fait. Mais, j'ai qu'on souffre d'amener fragile. Et je n'ai fait que passer à vous. À vous qui n'aurez pas de soupe quand vous raterez tout coupé ainsi devant nous voir. Zidour, un petit boulot. On aime de vouloir si une soupe a un petit goût de brûlé, ça veut me. Ni un menton, ni un médecin. Ni le monde chasse, dis-le tout escaté, dis-le tout courbaturé. Mon Dieu, maman, qui suis malheureuse. Mais qu'est-ce qu'on m'a fait de sur terre? Les mêmes démons, elle fait. Bravo.
Applaudissez, mesdames. Applaudissez aussi fort que Bob, parce que Bob, ça c'est un bon public. Hein. Ah, mais un peu grand plaisir, conditionné sur le scène, c'est dans la spectateur. Eh, tu comprends ça. Ah oui. À ce moment-là, j'ai tout vu, mais alors, j'ai venu voir toutes les opérettes, j'ai vu tous les spectacles. Juste un vrai masse forte de théâtre. Ah, mais ça, nous y avons pensé. Ça me chènerait drôle. Je vais arriver au vos gros chabot, là. Hein? Des chabots, mais lesquels? Allez, disons, les chabots, dans les chabots d'opérette, il y aurait le Cid de Rosemary. Non. De la Belle de Cadix. Non, c'est des castagnettes, là. De Véronique. Non plus. Dans la divorcée. Ah, ce n'est ni tout à fait ça, mais ça brûle. Non, ce n'est pas la divorcée, ce n'est la mascotte non plus. Si ça brûle et qu'elle n'est ni divorcée, c'est qu'elle est veuve. Bravo! Il s'agit de la veuve joyeuse. Oui. Ah. Et tu vas la retrouver sous les traits de Jacqueline Robert. Ah! C'est dans la tête. Jacqueline Robert interprète la chanson de Villia. Jadis habitait dans le grand bois frileux Villia, la dryade aux yeux mystérieux. Un jeune chasseur un jour là le soleil d'or dans la clairière où tout s'endort il voit gémit au fond des grands bois il y a écoute la voix.
tu me méfies parce que t'es déjà vraiment un supporter d'un Mazda Fed. Du jet ball, du jet bull, du palais des beaux-arts. Mais enfin, je suis tranquille, à Charleroi, quand on parle supporter, on sait bien qu'il s'agit d'abord de supporters de l'Olympique et puis de ceux du Sporting. D'abord de supporters de l'Olympique si on les classe par lettre alphabétique. O-P-Q-R-S. C'est une manière de les classer. Et si on les classe sur le titre honorifique, c'est-à-dire Société Royale, à ce moment-là, ils sont tous les deux sur le même plan. Ils sont sur le même plan et ils sont sur le même table. C'est le même bon. Nous avons réuni des épées et des docks. Des épées qui ont fait vibrer les couleurs de Charleroi dans tous les pays, même en Belgique. Oui. Nous les applaudissons tous en bloc. Merci Robert Bocquet. Robert Bocquet. Robert Bocquet, Castille, champion de Belgique omnisport. Et il n'y a plus d'un coup qu'il en est, Robert. Eh bien, cette question-là me fait plaisir. Bon. Ah, merci. Parce qu'elle me va droit au cœur. Ah. Tu me rappelles, en me posant cette question, la plus belle victoire de toute ma carrière. Le championnat de Belgique des sports multiples en 1921, mais c'est déjà loin. Ouais, nu sur l'eau, ça, 21, et tout pour là. Et après, ça c'est renouvelé? Ah oui, j'allais l'oublier. Ah bon? J'ai gagné la même épreuve. Si? En 1925. 25? Et en 26, j'étais toujours premier au classement quand le Sporting m'a dit stop, mon ami. Voilà! Choisir le football ou l'athlétisme. Voilà. J'ai choisi le football. Et il a choisi le football. Bravo, Robert, ton bébé. Et il a choisi le football, c'est certainement à cause des derbys qu'il regrette. Tu le regrettes quoi, Robert? Je regrette quoi. Ah, mais il t'arrive du coup des filles, des derbys. De temps en temps, tu joues à cause d'un derby au gros paquet avant un top de l'époque, là, le seul. C'était là que j'ai en face de moi. Regarde Didier. Regarde Didier. Regarde Didier, s'il y a deux là. L'homme qui a eu une réputation de ne jamais avoir peu de personnes. Edgar. Fait un trembler tous les joueurs de Sporting à tes pas. Allez, tout seul. Bravo. Là, ça, il faut le faire. Alors, vous allez vous faire des derbys comme ça, tous les deux. Souterrain, des allers-retours, des atomes, des away. Sur terrain neutre. Ah, sur terrain neutre. Sur terrain neutre. Ça n'est tout des terrains neutres, c'est sur le terrain de... De Secrétin. Ah, oui. Ah, donc ça serait les neutres de tout. Jacques Secrétin, le président du Cercle Wallon de Charleroi et le centre-avant de l'équipe nationale, en quelle année? En quelle année, Jean? 29-31. Ah oui, il était sous la couleur de Montaigne. Ah, ouais. C'est ce qu'on peut appeler un carololidieux. Un carololidieux. C'est vrai, Edgar. Quel noble les conseils. C'est un noble les conseils. Mais oublié, ça. Il y a des séries qui ne boutent jamais d'une équipe. Exemple, Joseph Drobeck, un Olympien. Un Olympien. On peut essayer de que c'est tout gamin qu'il est entré à l'Olympique. À quel âge, Joseph? En 9 ans. En 9 ans qu'il est entré. Et il dit qu'il y est con, hein? Entraîneur des cadets. Il y est con comme entraîneur des gens. Bravo, Joseph. Et non, mauvaise boîte sans cigare. Qu'est-ce qui c'est, ça? Ah, ce n'est adieu, ça. C'est un vrai supporter. Ah oui, c'est un lanceux. Un lanceux de cigare. Mais chaque coup que le Sporting marque un goal à la tribune, tu lances des cigares. Et ça va, là. Et ça va, là. Oui. Georges Suin. Camarade Georges, vous avez de la chance. Pourquoi? Que ça n'existe pas de temps, parce que vous, ça vous aura coûté cher. Ah oui, ça vous marque des gauches, ça le taille. Et pourtant, il est arrivé à coup, qui dit bourré coup au Sporting. À coup, non. C'est ce qui fait rire Jules, d'ailleurs. Oui, et il y a dans lieu, tout le monde a bien vu que Jules en riait. Ah, Jules! Et il y a un peu de produit international. Diable rouge! En quelle année, Jules?
de 1939 à 1949. Ça fait un bail, hein, ça, de 39 à 49. Et ton plus beau match, ton plus beau souvenir, dis-le nous, là, une fois de plus. Ah, ben, c'était en 47 contre la grande équipe d'Angleterre, contre Lowton Matthews. Lowton Matthews, etc. Ça va, bravo. Bravo. Ça, ça, c'est le plus beau match du Jules. Et il y a le plus long, Jules. Oh, le plus long, c'est en Allemagne pendant 5 ans. Hein. Ah, c'est complètement le bon. Un match c'est grand. À Kestalac. 5 A, 5 B. Voilà, ça ah, le plus long. Ouais, mais le Sporting et l'Olympique, ce ne sont pas que des souvenirs. C'est une réalité que vous applaudirez maintenant en la personne de Jean-Paul Spaut et de Jackie Duquesne. Jackie, ah, bravo. Merci. Merci, bienvenue. Au moins, on me les aura fait toutes ce soir, hein? Jean-Paul, Jackie, je vais vous faire chacun un beau souhait que je souhaite vraiment réalisable du fond du cœur. À toi, Jean-Paul. Dans Marquis Brand-Main. Et toi, Jackie. Pont de l'Ei passé. C'était le quart d'heure du sport avec les internationaux de Charleroi. Voilà. Et ainsi les roses des sportifs sont venues symboliquement s'ajouter à toutes celles que l'amitié et la sympathie ont fait fleurir. Mais à toutes ces roses, à tout ce gros bouquet où l'on trouve la fleur de la littérature, la fleur du sport, du théâtre wallon, il manque la rose de la chanson française. La rose de Paris qu'un garçon de chez nous est allé cueillir exprès pour te l'offrir. Ce n'est vrai. Un garçon de chez nous, tu vois qui c'est? Tu l'avais venu? C'est notre ami. C'est Paul. Ton ami Paul Lucas. C'est Paul Lucas, ouais. Si l'on en croit l'histoire, Ulysse et Xénophon avaient cité notoire de la barbe au menton. Les amants d'Agrippine n'étaient pas mollassons. Les sœurs à Joséphine, c'était pas des crayons. Que Vénus leur pardonne, aujourd'hui par millions. Les femmes disent d'un homme, mon Dieu qu'il est mignon. En avant arche, enterrement des poilus, des malabars, des costauds, des barbus. Les jeunes filles ont changé d'opinion. La 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 la, as-tu Saint-Cyr, c'est le temps des mignons. En avant arche, enterrement des soudards pompons, des joyeux de rides rigolos, des paillards. Les jeunes filles ont changé d'opinion. La 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 la, adieu Charlie, c'est le temps des mignons. Quand Madame la Baronne prenait des gigolos, les sœurs qu'elle en juponnait, c'était pas des marmots. Les fifis en ce monde se comptaient sur les doigts. Dieu merci, tout le monde n'était pas Henri III. Que Vénus leur pardonne, aujourd'hui par millions, les femmes disent d'un homme, mon Dieu qu'il est mignon. En avant arche, enterrement des poilus, des malabars, des costauds, des barbus. Les jeunes filles ont changé d'opinion. La 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 la, adieu Saint-Cyr, c'est le temps des mignons. En avant arche, enterrement des soudards pompons, des joyeux drus de rigolos, des paillards. Les jeunes filles ont changé d'opinion. La 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 la, adieu Charlie, c'est le temps des mignons. Hey! Vous disiez, ma mère, restez sage, mon petit, et soyez comme un frère pour les fillettes jolies. Mon âme trop docile, ne cherchez pas à savoir, non, moi, comme un imbécile, je m'endormais seul le soir.
Et quand mon visage s'ornait de petits boutons, ma mère, vous me disiez, c'est l'âge, ça passera, mon garçon. Mais la cousine Hortense n'était pas de votre avis. Oh non, c'est pour cela, je pense, qu'elle m'a guéri. Hey, youpi, Hortense. Quand vous disiez, ma mère, donnez ce que vous avez. Le bonheur sur cette terre, l'argent ne peut l'apporter. Et moi, comme la lune, je partage et sans compter. Mes billes, mes plumes, toute ma fortune avec les copains fauchés. Votre âme sereine y trouvait beaucoup de joie, ma mère. Et vous étiez certaine d'avoir fait ce que l'on doit. Mais vous étiez la seule, car ils allaient les couillons, tous, tous, se saouler la gueule avec mon pognon. Wouah, 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 wouah. Hop. Quand vous disiez, ma mère, mais que ne disiez-vous pas, je sais, vous, vous étiez sincère, les autres ne l'étaient pas. Ah, s'il fallait vous croire, j'en serais encore autant. De ces charmantes histoires que l'on raconte aux enfants. Un an pour refaire le monde, vos efforts seront vains, ma mère. Et la terre, elle est bien trop ronde pour vous asseoir dans les coins. À chacun son mérite, vous le vôtre, et moi le mien, ma mère. Faites-moi des frites, vous les faites si bien, si bien. Pour l'école fermée et le mur de la haine, pour le banc du dernier au banc de quarantaine, pour la femme violée et le coup de rasoir, pour l'affront d'être né avec la tête noire. Dieu n'est pas mort. Il joue du revolver et du couteau dans les rues de Harlem. Pour la ville en fureur et le point de la haine, pour la peur d'avoir peur dans le cœur qui se traîne, pour le corps qui se tord de trottoir en trottoir, pour l'odeur de la mort dessus la tête noire. Dieu n'est pas mort. Il joue du revolver et du couteau dans les rues de Harlem. Pour la colombe noire, morte entre ciel et terre, pour le deuil sans mémoire et le temps des colères, pour le nègre à genoux dans les ghettos du soir,
pour la rage des loups. Devant la tête noire, Dieu n'est pas mort. Il joue du revolver et du couteau dans les rues de Harlem. Pour la plainte d'Armstrong et les yeux de Ray Charles, pour les mains d'Ellington, quand le vieux blues nous parle, et pour la liberté, libre, je veux me voir au jugement dernier, avec la tête noire, Dieu n'est pas mort. Il raconte sans fin sa douleur éternelle dans les rues de Harlem. Jouez, jouez, messieurs. Oui, jouez, mais jouez, nègre. Bob, si tu passais par là un de ces soirs, fais donc la bise à Valentine, remets le bonjour au copain Valentin. Oh, on dit, si tu vas jusque là comme par hasard, remets-y donc un bout de mon cœur à Valentine et Valentin. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Depuis ce temps, que sont-ils devenus? Paraît que Valentine a pris quelques kilos de mieux et Valentin un coup de vieux, 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 mon vieux. Oh, on dit, si tu passais par là un de ces soirs, fais donc la bise à Valentine, remets le bonjour au copain Valentin. Oh, on dit, si tu vas jusque là sans crier gare, remets-y donc un bout de mon cœur à Valentine et Valentin. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Pendant ce temps, se sont-ils entendus? Tu sais, la Valentine avait son petit caractère et Valentin son pot de bière, 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 mon frère. Oh, on dit, si tu passais par là un de ces soirs, fais donc la bise à Valentine, remets le bonjour au sacré Valentin. Oh, on dit, si tu vas jusque-là, remets-y donc ces quelques fleurs à Valentine et ces cigares pour Léonard. Qui c'est ça, Léonard? Oh. Hey, val, 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 si tu vas jusque-là, un de ces soirs, remets-y donc ces quelques fleurs à Valentine et ces cigares pour Léonard. Je voudrais quand même vous les présenter. Ça fait longtemps qu'ils me supportent. À la guitare, John Meris. À la basse, Paul Dubois. À la batterie, notre Benjamin Joss Hart. Et au piano, notre chef Roger Morès. Ce soir,
Ce soir, c'est un beau jour, parce que ce soir, mon ami Bob Deschamps m'a fait une fleur en m'invitant à respirer avec lui et tous nos camarades la vie en rose de Bob Deschamps. Il m'a fait il y a quelques jours aussi, là je devrais dire un bouquet de fleurs, et j'ai été traduit dans plusieurs langues, mais encore jamais en wallon, et Bob a fait l'adaptation wallonne d'une chanson qui s'appelle Marcinelle. Et ça, je le remercie publiquement parce que pour moi, c'était la traduction la plus importante. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je crois bien que ce soir, il me tient bien que j'aurai envie de chanter tout seul Marcinelle. Là-bas, dans un lopin de terre, mouillé par un triste canal, je vais souvent prendre un peu d'air. Quand tout le reste m'est égal, fleur de grisou et fleur de brume, tu nous reviens chaque saison. Mais quand j'ai le cœur qui s'embrume, je crie ton nom dans mes chansons. J'ai fait la belle à Marcinelle. À Marcinelle, dans tes faubourgs, pas de tendresse, dans tes fossés trop déchaussés, depuis toujours par maladresse, les fées n'ont jamais pu danser. Château de fer sur notre terre, couleur de rouille et de bonheur, ma plage à moi, mon bal d'hiver, où je n'ai jamais froid au cœur. J'ai fait la belle à Marcinelle. À Marcinelle. Dans tes faubourgs remplis de femelles, ça rairume et tes mouchons, et les brunos dans tes cantines, nos ponts d'où pétale et diapia, fleurs des grisots et fleurs des houilles, tu fleuriras à chaque saison, mais les brunos dans tes cantines, nos ponts d'où pétale et diapia, et Dieu les belles, à Marcinelle. À Marcinelle. Mais quand Dieu s'aime, cœur qui s'ennoye, je reviens comme aussi à Marcinelle pour nettoyer les sur les voies. Et comme il meilleur des pigeons, pour virer un merdier à l'blanche, pour lui chuter, chanter le coquard, prêter tous les six qui sont la moche, parce qu'ils m'ont élevé bastard. Et Dieu les belle à Marcinelle. À Marcinelle. Merci à Paul Luca, comme nous disons merci à tous ceux qui t'ont offert une petite rose ce soir. Merci au Cercle Wallon, merci au Cercle des 16, merci au jeu de balle, au jeu de boule, au football, enfin, merci, parce que c'est Charleroi qui te le dit, Charleroi qui chante avec son beffroi les heures de notre vie en rose. Oui, une vie en rose, pourtant... Didier Abraham m'a interdit de dire, mon Dieu, quel sale pays, quel pays chaleur, ouais. Elle soyait de lui jamais, il lui, de Dieu se trouvait. Si vous sortez un Dieu sans bourre imperméable, vous risquez de se cru, comme un vie misérable. Vous êtes allé, qui fouet, pour plus clair de solia, en disant, ce que c'est du quoi qu'il t'aimera au bien. Et vous ramassez là, il y a une de ces bonnes nuées qui vous fait raccourir le coyenne vraiment trempé.
si vous vous détirez sans envoyer un Qatar, vous voulez que vous vantez, dit son fameux chansard. Puis, les alentours de la ville, c'est fait pour les guernouilles, c'est fait pour les diens, c'est tout rempli de berdou. Et après, nous estons tous tout copus blancs dans via, avec toutes les fumées qui sortent de Fournia. Comment est-ce qu'on s'est viqué dans une pareille contrée, quand on a des scènes que le ciel est bleu toute la journée? Pourquoi est-ce qu'on s'est viqué ce qui fait bon et il va y bouler le faille pas y wallon? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on trouve des lélis, du moins nous, ces enfants, tout ce qui nous fait plaisir. Un étranger passera un dieu à Charleroi, il aura vu, mon Dieu, de toi belle à quoi. Mais comme souvenir de la ville, qu'est-ce qu'il aura en somme? Peut-être deux ou trois photos collées dans un album. Il n'a rien compris. Tout ce qu'il est pour nous, ce petit bouquet de monde qui nous a mostré le Dieu. Nos Wallonies, pour nous, c'est le plus grand des merveilles. Et nos plombées, car ils n'en trouveront rien de pareil. Qu'est-ce qu'il n'en a mis à coup de peau? Frémin d'une scène. Pourquoi est-ce qu'on lui a volté? C'est pour tout. C'est pour rien. Point mon chat de biestrie, qu'on s'en redire les mêmes. Corbet même, après tout, on s'est né comme on l'aime. Faut la ouais quitter. A ouais parti bélon, vous savez comment on à ce vie pas y wallon. Il y a des fumées, déjà, qui sortent des usines. Mais n'est-ce pas comme cela qu'on s'imagine tartine? N'est-ce pas ces usines-là qui nous fait une vie si elle nous tourne un peu que ce qui nous verrie? Et plus de miettes de trop. Mon Dieu, qui est peut-être ça quoi. Nous y astons d'allure tellement habitués que quand nous vions le soleil qui lui dit Dieu sans relâche, nous souhaitons en main qu'il a refait une bonne drache. Qu'est-ce qu'on dit comme d'autres de pays chaleureux? On dit, c'est vrai, on dit qu'il est gros ciel patoué. On dit de ce qu'elle parle que c'est un de la basse classe. Mais rien au wallon. N'est-ce ni rini ras, nous disparons qu'il fait aux enfants de le parler, nous disons que c'est moi appris, nous disons que sous la hélé. C'est que nous avons pardonné les biatines, nos langages. C'est qu'il n'y a pas de fausseté, nous autres, dans nos parlages. Et tout ce qui nous pensons, nous le disons plat et zac, sans avoir pour ça d'en dire tourner nos fracs. Votre Dieu qu'il est gros ciel, pas toi, chaleureux. Vous avez peut-être raison. Mais savez bien pourquoi? Parce qu'il a si parlé. Pas tous ces braves yeux qui ne savent ni ce qui c'est qu'on appelle Awepeuil, qui discanent dans le fosse, des gens de biestrie, ça sont dit qu'ils sont là, en train de risquer le vie. Et c'est sortant de la bouche, dit ces hommes courageux, qui chaînent, qui nos wallons, est-il qu'au crapuleux. Mais il n'a clair seulement, parce qu'il a dans lui-même une sacouette tellement bien, qu'il oblige à ce qu'on l'aime. Une sacouée qu'on tient là et qui fait que tout le monde dit nous estons des Wallons et nous serons tous dit. Yeah.
De Charleroi, qui belle chanson emprunte aux petits enfants. Eh bien, t'as l'occasion. Tes oui. grands-pères et des petits enfants, t'as Nadia. Oui. Dien des coques d'œufs. Mais des filles. Je suis parrain encore plus de 50. Mais... Et ça coustière des dragées, d'abord. Ni tellement des dragées, un peu. Des oranges. Ah. Nous t'avons réservé une dernière surprise. On sait que tu es parrain des Gilles du Pays Noir. Les Gilles. Ils sont là, tous les Gilles du Pays Noir. C'est le rondeau qui commence. C'est un peu de pinche à Charleroi. C'est toute la Wallonie qui va chanter avec nous. Ah, bravo, les Gilles.